Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau record qui, je l'espère, va vous faire très plaisir. Fate UHC, eh oui, Fate, Fate qui veut dire fat, fat qui veut dire gros, gros UHC, ouais, trop bien. Ouais, j'ai eu la flemme de recommencer la voix off, je suis désolé. Hein. Allez, salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue pour Fate UHC saison 1. Alors si je vous ai mis le moment d'avant, vous avez peut-être pas compris ce qui vient de se passer. Du coup, enfin si je vous l'ai pas mis, du coup vous êtes en mode, quoi? Mais pourquoi il rigole comme un con? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est parti pour Fate UHC, mesdames et messieurs. Fate UHC, c'est quoi? Eh ben, bonne question. Même là, j'ai pas tout compris. Alors, en gros, c'est pendant deux mondes différents. Il y a des maîtres et des serviteurs, et moi, je suis un serviteur, je suis la pupille de l'histoire. Pour le moment, mon objectif, c'est quoi? C'est de miner, me stuffer, en attendant que mon maître m'invoque. Mais justement, qui est mon maître? Eh ben, aucune idée, on verra. C'est bon, j'ai le doc, c'est bon, on va pouvoir commencer, voilà. Putain, les skins sont changés et tout, c'est stylé, je suis désolé, c'est stylé. Alors, je suis serviteur, servant. Ça a changé d'ailleurs, c'est plus servant. Enfin, avant c'était servant, maintenant c'est serviteur, il y avait que les serviteurs là, non? Vous êtes servant. Allez, faut que je me fasse avoquer. Ok, faut que je me fasse avoquer. Faut savoir qu'on a déjà tourné le record une fois. Enfin, non, on a fait 3 épisodes du record une fois. Parce que ça a crash, tout bêtement. C'est bête. Mais ça a crash. D'ailleurs, attendez, je vous avais préparé quelque chose. Ah! Le dessert. Oui! C'est bon, je vous ai préparé quelque chose. Comme à chaque record, mesdames et messieurs, je prépare mes records et j'organise des petits jeux à faire avec vous, les viewers, les abonnés, qui est parce que vous regardez sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch, je le dis, un record sur 3. Mais c'est important pour moi que les gens qui sont sur YouTube viennent sur Twitch. Parce que Twitch étant mon activité principale et le meilleur site du monde, et ben je vous invite à rejoindre twitch.tv/bichard. Donc n'hésitez pas à rejoindre, enfin à nous rejoindre sur Twitch, voilà, pour ceux, le lien est dans la description, voilà, pour ceux qui veulent, c'est, on est cool, on est gentil, on meurt pas sur Twitch. Ah, les viewers, les gens qui sont sur Twitch, normalement, vous pouvez dire dans les commentaires que vous mordez pas, genre en mode, vous inquiétez pas, si vous venez sur YouTube et que vous avez jamais mis les pieds sur Twitch, on est gentil, on vous accueillera, parce que, on vous accueille, en tout cas, mes viewers accueillent. Si vous dites, oh là là, c'est la première fois que je viens sur ton stream, Bichard, et ben vous inquiétez pas qu'il y en a qui vont vous dire, oh, je te prends par la main et je te fais visiter toutes les contrées. Du coup, oui, j'ai dit que je préparais mes records. Et comme à chaque record, mesdames et messieurs, je prépare un petit jeu avec vous, etc. Et aujourd'hui, j'ai préparé un jeu simple. C'est un espèce de blind test. En fait, j'ai réfléchi tout bêtement. Est-ce que je refais les anecdotes ou je refais pas les anecdotes? Et après, je me suis dit, les anecdotes, quand t'es tout seul, c'est pas ouf, quoi. Il faut quelqu'un qui puisse jouer avec toi. La dernière fois, il y avait Guillaume, du coup, c'était sympa. Là, c'est vrai que là, je suis tout seul, voilà. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais, du coup, aujourd'hui, on fait un espèce de blind test. Un blind test un peu spécial, parce que je vais vous dire les paroles d'une chanson sans vous chanter l'air, parce que j'ai un niveau en chant qui est vraiment légendaire. Et le problème, c'est que si je vous chante l'air de la chanson, et vous allez tout de suite trouver, vous voyez. Il y a le titre de la chanson et le nom du chanteur qui va vous apparaître comme ça dans la tête. Ça va être, waouh, ça va être génial. Donc non, je ne peux pas vous chanter directement la chanson. Du coup, je vais vous dire uniquement les paroles. Vous devrez dire dans les commentaires le nom du chanteur qui a fait cette chanson. Voilà, c'est tout, c'est facile, c'est simple. Uniquement ça. Est-ce que ça a déjà été visité? Non, mais c'est super ça. Du coup, peut-être que je peux trouver des biblios. Il n'y en a pas ici, peut-être ici. Allez, on croise les doigts. Allez, super! On a des biblios, c'est vraiment trop bien, oui. Et là, on s'amuse, et là, on prend du plaisir. C'est vraiment génial. Première chanson, vous devez me dire le nom du chanteur en commentaire. C'est simple, c'est très simple. Et d'ailleurs, dès que je vais vous commencer à dire les paroles, vous allez tout de suite trouver, ça va vous apparaître hein, dans les oreilles, ça va être un orgasme auditif, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que, oh, il y a la deuxième bibliothèque, c'est vraiment génial. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, la chanson, les paroles, je cite, deux points. Donnez, dodo donnez, donnez-moi de la moulaga. Donnez, dodo donnez, donnez-moi de la moulaga. On répète ça 5 fois, et après ça change. Eh, de la moulaga, donnez-moi de la moulaga. Voilà, c'est simple, donnez-moi le titre du chanteur en commentaire. Voilà, c'est simple, c'est là, voilà. Bon bah voilà, du coup on a eu un petit village, on a eu un petit peu de chance, c'est sympa. Dommage qu'on n'a pas eu d'opsy, vous savez, c'est... Non, faut pas en demander trop, vous savez, dans la vie. On n'a pas eu d'opsy, c'est pas grave. On a trouvé 4 de canne à sucre et voilà, on a trouvé 5 pommes, ce qui nous met plutôt très bien pour un début de partie. Je vais pas vous mentir que vraiment on kiffe. Alors la dernière fois j'étais servant, parce qu'on a déjà tourné le record une fois, mais ça a crash. Du coup la dernière fois j'étais servant encore et j'avais un rôle, c'était quoi? C'était lanceur, je lançais. Voilà, et j'étais en team avec Damien. Normalement, ça a changé. Normalement, les teams sont aléatoires. Donc, on peut se retrouver avec n'importe qui. Avant, les teams étaient faites. Là, maintenant, les teams sont aléatoires. On a demandé ça quoi, à la fin du record. On s'est dit, non, mais vous savez, les teams pas aléatoires, c'est... Ben, voilà, quoi, c'est nul.
les gens aiment l'aléatoire et nous aussi on aime l'aléatoire, donc voilà. Et les kits étaient sélectionnés, je sais plus si les kits étaient sélectionnés ou non, mais en tout cas j'étais lanceur. Lanceur, il lance une flèche, une grosse flèche, un gros dard. Franchement, c'est un chibre qui lance. Poum, poum, tu touches, ça fait des dégâts de zone. C'est vraiment génial. J'espère ne pas l'être, tout simplement. Parce que c'est pas un rôle ouf, je vais pas vous mentir. Même si j'avais speed, quoique j'avais speed, c'était sympa. Ah, si, quoi. En vrai, ça me dérangerait pas de l'être à nouveau. Ça me dérangerait pas. Hop. Récupère des poulets pour avoir un maximum de plumes. La canne à sucre, certes, mais un peu inutile. Là, on va se poser ici, on va faire nos pommes. On est environ en 800-800, c'est des coordonnées strongolables. Hein. Sachant que la dernière fois, j'avais trouvé Stronghold, des petites informations, j'avais trouvé Stronghold avec 3 livres Death Rider 3, ce qui était vraiment génial. Hein. Mais on n'avait pas trouvé de diamant, donc pour le coup, on savait pas trop. On avait beaucoup d'or, des livres pétés, mais pas de diamant. Voilà. Vous savez que, comme c'est un Google Doc, on voit qu'il y a 15 personnes qui sont sur le Google Doc au moment où je vous parle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 15 personnes qui n'ont pas lu les règles et qui improviseront. Je crois qu'il y a un craft à faire. Ah oui, il y a un craft à faire pour les masters. En gros, il y a des masters, des servants. On n'est pas dans le même monde au début. Moi, il n'y a pas le PVP. Ah, oh, magnifique scoreboard. Hein. Ce serait vraiment dommage quoi, de pas l'avoir. Franchement, ça aurait été dommage. Hop. On est 26. On devait être 28. Pourquoi il n'y a pas des... Ah, il manque une team. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. On est déjà à la moitié de l'épisode 1 quasiment. Alors qu'on n'aura rien fait. Quoique, on est vachement en avance. Hein. Je crois qu'il y a 4 clean en plus sur le plugin. Du coup, ça va très vite à se stuffer. Mais ouais, là, on est nettement en avance. C'est sympa. Il y a des pommes qui tombent à foison. Franchement, je pourrais faire une tarte aux pommes. Au moment où je vous parle, on est durant la semaine d'inscription de la Zilane. Je sais pas si ça va changer. D'ailleurs, je ferai du montage si ça a changé. Voilà. On se trouverait jamais ce moment. Mais on s'est inscrit avec Guillaume. Voilà, pour la Zilane. J'ai déjà commencé à train. Je vous l'annonce tout de suite. Pour ceux qui regardent la vidéo, je vais train beaucoup les jeux. Donc, n'hésitez pas à venir toutes les après-midi. Normalement, je serai en stream quasiment tous les après-midi. Là, je viens. C'est simple, ça fait 2 jours que ça a été annoncé. J'ai stream 8h et 7h. Sur les 2 jours. Voilà. Sur des jeux de la Zilane. Voilà, donc je suis vraiment à fond dedans. J'espère que ça va bien se passer. Mais voilà, du coup, j'essaie de faire un maximum. Guillaume a pas trop la possibilité de train, donc je vais essayer de carry pour deux, même si ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas, ça va être quelque chose. Donc n'hésitez pas à passer sur les streams si. Pour passer un petit coucou, pour dire allez, bonne chance, les gars. Franchement, je crois en vous, totalement faux. Je sais que vous allez gagner, totalement faux. Objectif, pas être dernier, totalement vrai. Mais voilà, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, on va se rapprocher du 0-0 un petit peu. Bon, ça sert à rien, mais parce que. En vrai, ça sert à rien, on peut s'enterrer là. En fait, on peut s'enterrer là parce qu'on va être téléporté au bout de... Bah, dès que mon maître à moi m'aura fait... Mon maître. Oh, mon maître. Oh, je veux me faire fouetter par mon maître. Retire ce que tu viens de dire parce que t'as pas vu la tête de ton maître. Dès que mon maître aura crafté le truc pour m'invoquer, et ben, il pourra m'invoquer. Et dès qu'il m'aura invoqué, bah, je crois que je reçois un gros message dès qu'il a commencé à m'invoquer. En mode, vous allez être téléporté dans 60 secondes. C'est vraiment génial. Et dans ce cas, je vais être téléporté, c'est comme son nom. Et ça va être. J'aurai la chance de pouvoir rencontrer mon maître pour la première fois de la partie. Allez hop, on va s'enterrer là. C'est vraiment très bien. J'ai pas. Ah oui, le pack pour ceux qui se demandent. Le pack. Le pack, c'est le Paresse. Voilà, le Paresse. C'est Beast qui l'a fait. Il le sortira sur sa chaîne YouTube quand il aura fini hein, de l'edit, je pense. Putain de l'eau. Déjà un début de cave. En ça, on prend du fer. C'est vraiment génial. Je sors de 7 heures de stream, donc je suis un peu fatigué, je vous mens pas. Mais bon, j'avais pas anticipé le fait que je devais faire... Enfin, en vrai, c'est le genre de record qu'on a oublié. Je vous dis tout de suite, beaucoup de gens l'avaient oublié. Et Nanox a mis un message pour dire « Eh, c'est ce soir, les gars, mettez vos pseudos hein !» Et là, on a fait « Ah !» Ah, c'est ce soir, ah oui, ah, d'accord. On récupère ça, c'est vraiment génial. J'ai quoi faire des flèches, ce serait bien qu'on trouve un arc. Même si, je sais pas si ça va vachement être utile. Je sais que c'est 3 pièces maximum. Avec du P2. Mais bon. Vous voyez, dans le tab est beau. Les pseudos sont cachés, on voit juste des masters et des survivants ou des servants. C'est vraiment magnifique. Ça doit être en dessous de moi. C'est au-dessus là. Je crois que c'est au-dessus. On va juste aller récupérer l'eau, comme ça on en aura déjà. J'espère juste que c'est pas trop haut. Voilà, c'est parfait, on va récupérer un peu de fer. Ah non, y'a rien. Bon allez, on descend. Ça sert à rien. On va aller descendre directement couche 11. J'ai les coordonnées d'activer, je sais même pas si c'est autorisé. Attends, si je fais F3, ouais, y'a les coordonnées, du coup vas-y. Annika. Oh! Oh, en plus, je suis en couche 6, lol. Très marrant. Très marrant. Ah, 5 minutes avant l'activation du PVP. Et dans 5 minutes, ça va être la fin de ce premier épisode de Fate UHC.
Fate UHC, Fate, Fate si t'enlèves le E ça fait Fat, et du coup Fat ça veut dire quoi en anglais, ça veut dire gros, du coup c'est UHC gros. Voilà, les diamants sur son pack sont verts, hein, pour ceux qui veulent savoir. Alors je sais même pas si vous aurez la possibilité d'en voir dans cet épisode, en tout cas normalement dans le prochain épisode lui. Quoique je m'avance peut-être un peu trop parce que... Il suffisait de le demander. Il suffisait de le demander. Non, en vrai, il suffisait de le demander. En plus, c'est un sacré beau filon. En plus, c'est un beau filon. Moi, franchement, je valide. Non, franchement, voilà. Du coup, voilà. La vie est faite pour être vécue. 9 diamants dans un petit filon, comme, enfin, dans un filon comme ça. Oh là là, ça fait plaisir. Oh là là, c'est vrai que... Voilà. Bon, bah, je sais pas si vous aurez la possibilité de voir l'or qui est doré sur ce pack. Hein. L'or étant jaune. Du coup, voilà, j'espère... Non, c'est du charbon. Non, c'est pas le bon... Bon, ça marche que pour le diamant, vraiment. Je sais pas si vous aurez la possibilité de revoir le diamant durant cet épisode. En tout cas, ce sera dans l'épisode prochain. J'ai un bout de pain qu'il faut que je mange. Sinon, ça, je gâche des steaks. Et on n'a pas envie de gâcher des steaks dans une vie parce que... Il y a des endroits où on ne mange pas. Donc, on va manger ce bout de pain. Oh, bah, on récupère ça. Bon, c'est mon master veut pas m'invoquer. Hein. Mon master veut pas m'invoquer. Hein. Je crois qu'il m'aime pas. 2 minutes avant la fin de l'épisode. Le PP sera actif, sauf dans mon monde. Hein. Dans mon monde, le PP n'est pas actif. Je précise. Il y a un truc à droite. Il y a un truc à droite. Il y a de l'eau. Je l'entends. Je sais pas combien de temps dureront les épisodes. Normalement, ils dureront pas très longtemps parce que je suis tout seul, on va dire. Du coup, j'anime tout seul. Autant dans Beats de Cupidon, je parlais avec Guillaume en même temps. Du coup, je savais pas quel moment fallait couper, quel moment fallait pas couper. Même si vous avez comparé les deux épisodes, vous avez vu qu'il y a des moments où il parle qui sont pas dans ma vidéo ou des moments où que moi j'ai mis et lui il a pas mis. Là, pour le coup. Bah, si je devrais cut, bah, je cutterai. Voilà. C'est tout. On passe par ici. Bon, bah, voilà. Dans 30 secondes, c'est la fin de ce premier épisode de Fate UHC. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'y a pas eu grand chose. Hein. On a retrouvé juste de l'or, du diamant. C'était assez marrant. Ah ah oh non. Oh, je me suis chié dessus. Plus jamais tu fais ça. Oh oh oh. Bon, bah, voilà. C'est sur ça qu'on finit cet épisode. Ah, j'ai eu si peur. Oh non, 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 j'aime pas. Hein. Non, j'aime pas. Allez, à dans 2 jours, tout le monde, bisous. Marc, je me suis chié dessus. Si tu t'es chié dessus quand le zombie m'a tapé, dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans 2 jours pour un 2e épisode de Fate UHC. Fate UHC, ça veut dire gros, bref, j'ai déjà assez dit. Bonsoir à tous, mes chers compatriotes.